Salut, c'est Alzi, bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans l'émission. Aujourd'hui, on est l'interview Eureka avec Domi, qui est championne du monde de free fly, qui est cofondatrice de la soufflerie Zero Gravity, qui se trouve aux portes du Futuroscope. Elle va nous parler de son expérience du parachutisme, de quand est-ce qu'elle a commencé, qu'est-ce que ça a pu lui apporter comme soft skills, quels sont les points communs entre les parachutistes et qu'est-ce qu'on peut apprendre, trouver dans toutes ces expériences dans notre vie de tous les jours. Alors le parachutisme, c'est une discipline qui est un peu extrême, un petit peu moins connue, mais qui est abordable. Et comme le dit Domi, tout s'apprend. Donc on passe tout de suite dans l'interview. Eureka, allez, c'est parti. Alors le parachutisme, c'est arrivé un peu par hasard. Pas grand-chose dans mon environnement familial me prédisposait à ça. J'ai eu envie de me jeter dans l'avion à 12 ans pour la première fois. J'étais un peu petite, ils m'ont dit de revenir à 15. Et puis je suis tombée amoureuse de l'activité, de la communauté qui pratique ce truc-là. Et donc du coup, ben, je suis restée. J'en ai fait de plus en plus. J'ai commencé à faire de la compète. Et puis en France, on a quand même la chance d'avoir un système de gouvernance du sport qui est quand même pas trop mal par rapport à plein d'autres pays. Et du coup, je me suis retrouvée en équipe de France avec des soutiens vraiment intéressants par rapport à ce qui se passe à l'étranger. Et puis, bah, du coup, au bout de 4-5 ans, ça nous a amené, mon équipe et moi, à un titre de champion du monde. Derrière, je me suis lancée dans une autre aventure avec une autre équipe de copines cette fois. Et puis, c'était aussi les balbutiements d'une nouvelle discipline en soufflerie. Donc, on a un peu participé au début de ça. Moi, je me suis vachement investie dans l'organisation des premières compétitions. Donc, c'était tout un nouveau truc à inventer. C'était hyper enthousiasmant. Et donc, j'ai commencé à faire de plus en plus de souffleries. Et puis, donc, c'est des simulateurs de chute libre. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des grands tubes qui propulsent de l'air suffisamment fort pour soulever des corps humains. Et puis, bah, de fil en aiguille, les projets se sont développés. Moi, je vivais ma vie de coaching principalement, donc un peu aux quatre coins de la planète. C'était une vie assez nomade et assez chouette de voyage. Et puis, je me suis dit qu'à partir d'un moment, ce serait quand même intéressant de se poser un peu quelque part, ou en tout cas de construire quelque chose. Et puis, j'ai été approchée par un groupe de gens qui voulaient monter une soufflerie, d'abord à Bordeaux. Ça s'est pas fait, et puis on n'a pas lâché l'affaire, et puis ça s'est concrétisé finalement à l'entrée du Futuroscope. Ça s'appelle Zero Gravity, et on a ouvert cette année. On devait ouvrir en avril. Bon, ouais. Le mois d'avril, c'était pas trop le moment pour ouvrir un business cette année, en 2020. Donc ça a été un petit peu décalé. Et on a fini par ouvrir en août, et voilà, puis on a ouvert pendant 3 mois, et puis là on vient juste de refermer. Mais c'est un très bon démarrage malgré les circonstances, donc une nouvelle aventure un peu stop and go, mais une fois que ça va partir, ça va être chouette. Ouais, bah ouais, carrément, c'est vrai que la situation c'est un peu compliqué là et tout, mais bon, ça va. Ah, vous êtes, ouais, tu vois, dans un business plan, tu te dis plein de trucs qui peuvent arriver, qui peuvent partir en sucette. La pandémie, on l'avait pas au bingo, j'avoue. Ouais, bah, je pense qu'il y avait personne qui l'avait celle-là, hein, de toute façon, clairement. À 12 ans, du coup, t'as fait ton premier saut. C'est vrai. Non, que 15 ans le premier saut. 12 ans, première fois que j'ai réussi à convaincre mes parents de m'emmener sur un terrain de parachutisme, où là, on m'a gentiment tapoté la tête en me disant que j'étais trop petite et qu'il fallait revenir à 15. Ok. Donc 15 ans le premier tandem. Ok, t'as commencé par un tandem. Ouais, moi, comme beaucoup de gens, hein, c'est qu'en fait, quand tu sais pas ce que c'est que le parachutisme, à moins d'avoir un pote qui en fait déjà et qui t'explique que tu peux commencer tout de suite en tant que sport et sauter tout seul dès la première fois. Ouais. Généralement, tu commences par un tandem, ce qui est pas une mauvaise façon d'aborder le truc non plus, hein, non, parce non, que ouais, ça te permet de goûter aux sensations, aux visuels, aux émotions, tout en ayant zéro responsabilité, ce qui est pas mal en fait la première fois que tu te jettes d'un avion. Ouais, clairement, hein, ça c'est un grand pas, ça, se jeter d'un avion, ça fait quelque chose toujours la première fois, on s'en souvient en général.
Ouais, c'est sûr. Mais même la millième fois, même la 10 000ème fois, c'est toujours aussi chouette, en fait. Ça, c'est un des trucs qui est quand même assez incroyable avec cette activité, c'est que c'est quand même difficile de s'en lasser. Ouais, c'est vrai que ouais, c'est vrai que c'est difficile de s'en lasser. Ok, qu'est-ce que tu penses que, enfin, je sais pas, tous les gens, tu dis que t'aimes bien, du coup, l'activité, moi aussi, le monde qu'il y a autour. Qu'est-ce que tu penses qu'ils ont en commun, ces gens, c'est quoi les, qu'est-ce que ça développe en fait le parachutisme sans le savoir, Alors, même au-delà de ce que ça développe, déjà à la base, je pense qu'il faut un petit grain de folie pour se dire que tu vas essayer ça, et puis un deuxième grain de folie pour te dire que tu vas le faire plus qu'une fois et que ça va devenir ton activité. Il y a un éclectisme qui est à la fois souvent géographique et social dans cette activité qui, moi, m'a toujours énormément plu, qui m'a attiré au départ et qui je pense, m'y fait y rester depuis toutes ces années. Ça fait 20 ans, là, cette année, depuis mon premier saut. T'as vraiment des profils très, très variés, mais t'as quand même ce point commun d'un petit goût pour l'exceptionnel. C'est une activité qui est un peu bizarre. C'est une activité qui fait peur au départ. Mais tu vois, l'environnement, déjà, être dans un avion, voir la terre vue du ciel, c'est un cliché innommable aujourd'hui, mais grâce à Artus Bertrand, mais n'empêche que c'est d'une beauté incroyable. Donc avoir ce goût pour l'exceptionnel, que ce soit à la fois l'activité ou l'environnement, les endroits où ça t'amène, bah forcément ça crée des liens et c'est une bonne base de départ pour vraiment se sentir part d'une communauté. Et puis après, t'as des sous-groupes à l'intérieur de ce groupe général, en fonction des disciplines que tu pratiques. Ça va être un peu des tribus qui vont se déplacer, qui vont avoir un peu chacun leurs endroits dans le monde où ils ont l'habitude de se rassembler. Donc tout ça, en fait, ça, tu développes des codes qui font que bah, tu sens vraiment, t'as vraiment l'impression de faire partie d'un petit groupe. Et je pense que ça, c'est quelque chose auquel on aspire tous, ce sentiment d'appartenance avec des gens qui te ressemblent un peu et qui ont ce goût un peu de l'extraordinaire. En fait, c'est vraiment un truc extraordinaire de voler, que ce soit en sautant d'un avion ou en décollant du filet sur une soufflerie. Ouais, je pense que c'est ça le plus gros point commun, ce goût de l'extraordinaire. Ok, ouais, intéressant. Moi, je pensais aussi à un autre point commun, ce qui était des personnes qui pensent assez aussi rapidement, instinctivement, ou au feeling aussi un petit peu, où tu apprends un petit peu à te dire, tiens, là, je le sens pas, là, je le sens, et ça, c'est un peu une sensibilité en fait. Ouais, non, c'est sûr que c'est quelque chose que t'apprends à écouter, que t'apprends à identifier. Après, c'est quand même quelque chose qui est, c'est pas que de la spontanéité. Ce sont des sports parce qu'ils ont, ils sont de façon inhérente dangereuse. Et même si dans la pratique, le matériel et les techniques développées sont très safe maintenant, justement, il faut être quand même assez irréprochable sur tes procédures, sur l'entretien de ton matos, sur la façon dont tu vas faire certaines choses. Donc c'est un mélange un peu d'instinct et d'extrême préparation quand même. Tu dois avoir une attention aux détails, tu dois faire attention à ce que tu fais. Par contre, ce qui est après l'instinct, ça se rejoint peut-être un petit peu aussi. C'est cette notion de flow. Je ne sais pas si ce mot a été efficacement traduit en français, mais tu vois ce que je veux dire, Ouais, tout à fait. cette espèce de présence dans l'instant. Presque c'est presque méditatif en fait quand tu sautes en parachute ou même quand tu voles dans la soufflerie t'es vraiment à 100% sur ce qui est en train de se passer et c'est pas juste parce que ton intégrité physique potentiellement est en jeu alors tu penses tu vas devoir penser vite surtout dans des disciplines comme le free fly que moi je pratique embarque en VR aussi j'imagine que quand t'es à Yabusa et que t'enchaînes 60 points en 50 secondes tu vas vite. Mais effectivement, c'est une gymnastique mentale, une présence et une gymnastique mentale qui est très forte. Ouais, clairement. Et cette gymnastique, du coup, comment tu la travailles? Tu as parlé de visualisation. Je sais que, enfin, j'ai regardé ta conférence sur YouTube. Est-ce qu'il y a d'autres outils que tu utilises? Est-ce que comment ça se passe? Alors, les outils que tu peux utiliser, c'est vraiment principalement la visualisation. Et ça, c'est un sujet long et c'est pas quelque chose qui s'appréhende et qui s'améliore en deux temps, trois mouvements. Et puis après, il y a aussi une question de pratique où plus tu vas le faire, en fait, plus de fois tu vas mettre ton cerveau dans ce contexte où tu as une minute où il faut faire plein de trucs très très vite et il faut pas te louper, et ben plus tu vas réussir
à être en possession de ces secondes-là. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais un premier saut, par exemple, tu vas te rappeler quasiment de rien du tout. Quand tu fais un tandem, si tu as le vidéomane qui vient, qui va te tirer sur le nez et te faire une grimace, et tu te poses et tu n'en auras pas le moindre souvenir tant que tu n'auras pas rematé la vidéo. Et puis, plus tu vas sauter, plus tu vas être capable d'être présent à toi-même quand tu voles, déjà de te rappeler de ce qui s'est passé une fois que tu es au sol, et puis de gérer des pensées en l'air. C'est quelque chose qu'on, moi, c'est quelque chose sur lequel j'essaie beaucoup de travailler avec les gens qui viennent s'entraîner au record de France ou autres records que j'ai pu organiser. Où là, c'est des sauts où, en gros, tout le monde doit se retrouver tête en bas, moi, pour ceux que j'organise, et construire une figure. Donc, en gros, chaque personne a un job très particulier à faire. Et le record ne peut être validé que si tout le monde l'a réalisé au mieux de ses capacités. Et donc, du coup, ces sauts-là, il y a un petit ticket d'entrée technique, hein, n'importe qui peut pas venir le faire, il faut savoir faire quelques trucs avant d'y aller. Mais la technique en elle-même, elle n'est pas si difficile que ça. Par contre, ce qui est très difficile, c'est de gérer à la fois tes émotions et à la fois tes pensées pour faire. Et puis, tu as une fenêtre qui est très, très réduite entre le moment où tu sautes de l'avion et puis le moment où tu dois te barrer, t'éloigner des uns des autres pour pouvoir ouvrir ton parachute. En fonction de l'altitude à laquelle tu as sauté, tu as généralement entre 45 et 70 secondes, quoi. Ça va quand même super vite. Et donc, du coup, être capable de gérer une pensée, de gérer tes émotions et de gérer ta pensée sur ce moment-là, bah ça, c'est primordial. Et c'est ça qui va faire que tu vas être capable de participer à ce genre d'événement ou pas. Et donc, ça, à développer chez les autres, et bah et chez soi-même, c'est un super défi. Et c'est quelque chose qui va à la fois être basé sur de la préparation au sol, donc de la visualisation, de la réflexion, mais qui, ça peut pas juste se passer au sol. Il faut aussi mettre ton cerveau dans cette situation-là un certain nombre de fois. Moi, j'aime bien comparer ça à de la collecte de données. En gros, à chaque fois que tu vas faire un saut, tu mets ton cerveau dans un environnement qui est pas du tout un environnement naturel, hein, du vent à 300 km/h dans ta gueule, ça t'arrive pas très souvent. Donc, comment te mouvoir toi dans cet élément, un peu comme apprendre à nager en fait. Quel degré d'énergie dans un mouvement va donner tel type de déplacement ou tel type de freinage ou tu vois tous les petits détails qui vont faire qu'on va voler efficacement. Et ben, tout ça, c'est pas inné. En tant qu'humain, on n'était pas vraiment fait pour se mouvoir de cette façon-là. Donc, du coup, plus tu vas répéter l'action, plus tu vas te mettre dans ces circonstances-là. C'est pour ça que le tunnel, c'est génial, c'est parce que tu peux passer beaucoup plus de temps dans l'élément qu'à coup de un saut par un saut. Et ben, plus ton cerveau, il va prendre ces données-là et il va apprendre à les gérer. Donc, c'est vraiment un mélange des deux pour moi. L'un ne va pas sans l'autre. Si tu fais que sauter, sauter, sauter sans jamais visualiser, jamais réfléchir à ce que tu fais, ben, tu vas progresser beaucoup moins vite. Si tu fais que visualiser tout le temps, mais que tu vas jamais te mettre tes fesses dans un avion ou dans une soufflerie, ça va pas avancer non plus. Donc c'est un espèce de ping-pong entre les deux, où tu as besoin à la fois d'expérience et de prépa mentale. Ouais, là, quand tu atteins un palier de connaissances où tu sais plus où tu en es, il faut faire un peu le point et aussi peut-être aller faire de la soufflerie quand tu vas faire trop de parachutes ou pour mixer un petit peu justement les disciplines en fait, puisque c'est pas la même chose, même si ça simule de la chute libre. C'est pas tout à fait la même chose, non. Il y a des petites différences, il y a beaucoup de points communs, mais effectivement, tu vas pas travailler exactement les mêmes choses dans un cas ou dans l'autre. Il y a des avantages et des inconvénients, quoi. Disons que dans une soufflerie, tu as l'avantage de pas avoir cette espèce d'horloge qui te dit qu'à un moment donné, il va falloir arrêter. Dans la soufflerie, c'est, on va dire, une question financière plus qu'une question d'altitude. T'as une horloge aussi, mais c'est pas la même. T'as une horloge, mais c'est moins grave. Disons, si tu sors en retard, au pire, le mec d'après toi t'engueule un peu. En para, ça peut être un peu plus embêtant. Mais par contre, dans une soufflerie, bah, t'es limité dans ton espace, quoi. Donc, tu vas pouvoir travailler tout ce qui est précision, les derniers mètres. Par contre, bah, tout ce qui va être super grand déplacement, approche, break, se séparer les uns des autres, où tu dois couvrir beaucoup de distance, bon, bah, ça, en soufflerie, tu peux pas le faire. T'es vite Ouais, dans un mur, quoi. tu te fais vite mal, ouais, c'est clair. Et du coup, c'est vrai que maintenant ils appellent ça aussi le body flying. Et je trouve que dans la soufflerie et dans le parachutiste, on a quand même une grosse maîtrise de son corps, tu vois, où tu te rends compte que quand tu es dans un état de stress ou un peu de panique, bah en fait, tu peux pas tout contrôler. Et du coup, c'est vrai que la soufflerie, ça permet de se rendre compte de ça aussi. Tiens, j'avais la jambe qui était en train de battre, je pensais pas, quoi. Alors, par exemple. Ouais, bah ça, mais ça tu l'apprends en soufflerie, tu peux aussi l'apprendre en parachutisme, hein, ou quand tu sautes avec des coachs qui vont te filmer et justement te permettre de prendre conscience de ce que tu fais avec certaines parties de ton corps.
C'est apprendre le para, c'est un peu comme ces mimes sur Internet où tu sais ce que je pense faire et ce que je fais en vrai. C'est pas du tout la même photo. Bah ça, c'est l'histoire de toute personne qui essaie d'apprendre à voler au départ. T'as l'impression que tu fais un truc, t'as l'impression que tes jambes sont méga serrées alors qu'elles le sont pas du tout. T'as l'impression que ta tête est dans une certaine position alors que c'est pas le cas. Donc ça, bah, le retour vidéo est vraiment important pour ces apprentissages-là, que ce soit en soufflerie ou d'avion. Après, la soufflerie, ça permet de prendre plus de temps sur des plus petits détails, par exemple. Et puis, t'as le coach qui potentiellement aussi peut te toucher, donc t'aider à positionner une jambe d'une certaine façon, ce qui est plus difficile à faire en l'air. Et du coup, ça me fait penser qu'aux États-Unis, ils appellent ça beaucoup les brain locks. Est-ce que tu arrives à repérer ça? Tu es dans une équipe? Est-ce que tu vois quelqu'un? Est-ce que tu sais comment repérer ça? Et tu as Alors, déjà. ça, tu le repères pas vraiment chez le brain lock, disons que c'est quand tu te rappelles plus de ce que tu dois faire. Donc, ça va intervenir principalement dans des sauts de compétition où tu as un enchaînement de certaines figures à faire. Donc, tu les as apprises par cœur, tu les as répétées au sol avec tes coéquipiers, et puis là, boum, c'est le moment de l'action, tu dois les faire. Et donc, tu dois passer, bon, je veux pas vous sortir des termes techniques parce qu'on s'en fout, mais en gros, tu avais une certaine position, et puis là, tu dis, merde, c'est quoi celle d'après? Et tu sais plus, du coup, tu es un peu, tu sais, comme un lapin pris dans les lumières de la voiture et tu sais plus quoi faire. Alors ça, tu peux pas vraiment l'identifier chez les autres. Et puis de toute façon, tu t'en rends compte quand l'autre, il fait plus rien, en fait. Et tu dis, non, mais là, Ouais, mec, c'est l'heure de faire un truc. Donc tu peux clairement. pas vraiment, une fois que c'est en train de se passer, tu peux pas vraiment faire grand-chose. Et pendant le vol, tu peux pas vraiment l'anticiper chez les autres parce que toi, tu vas être concentré sur ta propre trajectoire, ton propre mouvement. Et puis c'est juste que potentiellement, ça va être interrompu par quelqu'un qui a fait un brain lock. Donc du coup, bah, les brain locks, c'est surtout en amont que ça se travaille avec beaucoup de répétitions au sol, de la concentration. Mais bon, après, sa personne est à l'abri. Il y a des histoires célèbres de très très bons flyers qui ont perdu des compètes sur des brain locks. Et ça, c'est de la gymnastique mentale et ça fait partie des défis de cette discipline. Ouais, ça, je pense que quand tu fais de la compétition, tu dois avoir de la pression aussi qui vient d'autre part, quoi. Ça doit être difficile à gérer. Ah bah les pressions, alors que en vrai, quand tu regardes les choses avec un peu de recul, tu vois, une compétition de parachutisme, c'est pas comme s'il y avait des enjeux nationaux ou financiers démesurés. Mais bon, quand c'est toi, quand ça fait des années Ouais, c'est sûr. que t'as cet objectif et que tu, en gros, toute ta vie, elle a été consacrée que à ce truc-là, bah en fait, ça devient très très important. Donc forcément, tu te mets une pression monstre. Et puis tu peux avoir des pressions externes aussi, que ce soit la fédé, des coachs, des amis, de la famille, des sponsors. Il y a tout un tas de gens qui vont avoir soit envie, soit intérêt à ce que tu gagnes. Donc c'est des pressions supplémentaires. Et ça, c'est quelque chose que tu apprends à gérer aussi. Alors, parfois un peu tout seul, parfois tu as de la chance, tu tombes sur des gens qui sont déjà passés par là et qui vont te prendre un peu sous leurs ailes et qui vont t'aider sur ça. Ce qui est généralement vraiment important dans ces moments-là, c'est déjà de vraiment pouvoir compter sur ton équipe, de te sentir vraiment soudé et de pas être tout seul face à cette pression, en fait, de la partager. Et ça, c'est déjà très très important. Et puis après, bah, tu as tout un tas de techniques un peu classiques, hein, de respiration, de méditation, de concentration. En gros, cette pression, c'est un peu la même réaction qu'avaient nos ancêtres quand tout d'un coup il fallait s'enfuir parce qu'un mammouth t'attaquait, quoi. Alors que bon, là en vrai, t'es juste en train d'aller faire une compète, il n'y a pas un mammouth qui veut ta peau. Mais ton corps et ton esprit se retrouvent prêts à s'enfuir très très vite ou à se battre très très fort, en gros. Hein. Flight or fight, je sais pas trop non plus trop comment ça a été traduit, ça. Ouais. Mais en gros, ce que ça te fait, c'est que ça te rend plus efficace en réalité, si t'arrives à t'en servir. Parce que tu peux aussi être complètement désarmé par ça. Tu vois, le cœur qui s'accélère, les mains qui deviennent moites, la respiration qui devient un petit peu plus courte, les pensées qui commencent à tourner un peu en boucle d'angoisse, de stress. Et donc ça, bah, il faut être capable de l'identifier, de le voir arriver. Et en fait, t'arrives jamais à l'effacer. Moi, sur des sauts où j'ai beaucoup de pression, bon, là, je fais moins de compétition maintenant, mais encore sur des records, ça peut m'arriver, où là, t'as le palpitant qui commence à s'activer et tout. Là, tu peux pas, en fait, gérer son stress, ça ne veut pas dire empêcher ces symptômes-là. Que ça, c'est quasiment pas possible. C'est inhumain. Je connais personne qui arrive à faire ça. Par contre, c'est les observer, les prendre pour ce qu'ils sont, quelque chose qui vont pouvoir te rendre plus rapide, plus combatif, plus vif dans ta façon de penser.
Et donc, en fait, le prendre comme un cadeau. Mais ça, c'est pas facile parce que physiquement, c'est pas très agréable, hein. C'est un peu oppressant. Donc, pour le côté physique, c'est réussir à, voilà, respirer calmement, profondément, sans en faire trop non plus. Et puis, psychologiquement, intellectuellement, reconnaître, observer ces symptômes-là pour ce qu'ils sont, te dire que tu vas t'en servir plutôt que d'en être la victime. Et puis essayer de te transcender grâce à ça. Et moi, c'est ça qui me fascine et qui m'a beaucoup plu dans la compétition, c'est cette sensation de te transcender, d'aller plus loin, de faire mieux que ce dont tu as été capable dans un contexte moins stressant. Et pourtant, moi, j'aimais pas du tout ça, hein. Le côté stress, c'était vraiment pas agréable. Mais j'ai volé comme j'ai jamais volé sur ces sauts-là. Parce que tu as Il y a quelque chose une en espèce plus. d'énergie qui te pousse, ouais, et ça, c'est très agréable, voire un peu addictif. Et donc, il faut apprendre à le gérer. Après, on n'est pas tous égaux vis-à-vis de ça. Il y a des gens qui assez facilement, assez naturellement, vont être super poussés par ces trucs-là, adorés. Et puis, il y a des gens qui, au contraire, vont avoir tendance à plutôt se recroqueviller, se sentir mal sous ce genre de pression. Après, bah, même si on n'est pas égaux face à ça, tout se travaille. Et bah déjà avoir conscience des choses et ensuite essayer de t'en servir à ton avantage. C'est la bonne méthode. Ouais, tout à fait. Hein. Prendre conscience de ses super pouvoirs, c'est un peu pouvoir les utiliser en fait. Parce que moi, je dis toujours, on est une machine, mais on fonctionne super bien. On a déjà plein de super pouvoirs. Après, tout c'est de s'en rendre compte. Et d'ailleurs, niveau super pouvoir, en fait, c'est magicien de la communication, c'est un peu dire, on les voit pas, c'est invisible. Et je trouve que le parachutisme, c'est ça aussi. C'est tu te déplaces dans l'air, c'est invisible. Et la façon dont vous bougez, la façon dont vous avez cette sensibilité, voilà, après 9000 sauts, tu me disais, c'est assez incroyable en fait. Et je pense que dans la vie de tous les jours, tu vois pas les choses de la même façon parce que tu as cet apprentissage-là, tu vois. Ah, c'est difficile à dire parce que effectivement, je vois pas les choses d'une autre façon que de la mienne. Ouais, bien Tu sûr. vois les choses comment, toi? Mais oui, forcément, ça joue sur la façon dont tu appréhendes le monde. La façon dont tu vois la 3D, par exemple, ou comment tu vas penser ton saut, va peut-être te permettre de maintenant pouvoir conceptualiser des choses plus facilement en 3D, par exemple. Alors, tu sais quoi? J'aimerais bien, mais pas tant que ça. D'accord. Je suis une catastrophe en visualisation 3D. Enfin, une catastrophe, c'est pas vrai, parce que je l'ai beaucoup travaillé, du coup, donc effectivement, j'y arrive un peu mieux, mais ça me demande toujours quand même pas mal d'efforts. Là aussi, on n'est pas égaux sur ça. Mais en fait, là, en l'occurrence, c'est avec des techniques de visualisation. On se concentre sur de la visualisation en 3D, mais tu peux t'en servir de la visualisation pour tout un tas d'autres trucs, hein, que ce soit pour de l'apprentissage de schéma psychomoteur, en fait, pour du mouvement ou du sport, mais aussi pour essayer d'identifier un objectif et imaginer les étapes qui vont t'amener à cet objectif et les visualiser vraiment, c'est-à-dire vraiment avec des couleurs, des formes, des scènes. Et ça, effectivement, je crois profondément que ça t'aide énormément à atteindre n'importe quel objectif. Mais ça, encore une fois, c'est pas facile, c'est pas inné, il faut le travailler, faut s'entraîner. Ouais, c'est Donc, beaucoup il y a plein de techniques. beaucoup de PNL, ça. Tu t'es formé Ouais. toi à la PNL? Complètement en autodidacte, Autodidacte, en ouais. Ouais. lisant, ouais, en lisant des livres, en parlant à des gens. Mais je me permettrai pas de donner des conseils ou des cours sur le sujet, je pense. Ouais, ok, mais ça, en tout cas, c'est une étape où ça t'a appris des choses sur ça. T'en Bien retiens sûr. quoi de la PNL? Plutôt des choses pour toi ou plutôt des choses pour les autres d'être plus efficace dans sa communication? Qu'est-ce que... Plutôt des choses pour moi, j'imagine. Oui, remarque pour les autres aussi, dans ta communication aux autres, en fait, être capable de capter un petit peu mieux, c'est comme avoir des antennes sociales un peu mieux branchées. Je sais pas si ça, Ouais. j'utilise Si, j'aime d'horribles beaucoup. anglicismes J'aime traduits en beaucoup français, c'est les... une catastrophe. Mais parce que ça, c'est quelque chose, hein, tu parles de soft skills qui t'aide dans tellement de domaines, que ce soit, enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé dans le domaine du sport, de la psychomotricité, mais ça t'aide aussi normalement dans le business, en fait, être capable de lire ton interlocuteur de façon plus efficace, de communiquer des choses de façon non verbale, ça fait vraiment une différence dans ta capacité à évoluer et à obtenir les résultats que tu cherches, quoi. Ouais, clairement, hein, ça c'est.
On est d'accord. Ouais, c'est clairement ça. Et donc, du coup, ta vie d'entrepreneur, enfin, comment ça s'est passé? Tu as fait de la compétition, puis maintenant, tu t'es dit, je veux faire un projet. Donc, du coup, c'était la soufflerie que tu disais, ça n'a pas marché, mais finalement, la Zero Gravity. Ouais, alors moi j'ai un rôle qui est précis et qui est particulier dans ce projet-là. C'est pas du tout moi qui l'ai monté de toutes pièces. Là en l'occurrence aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'appelle Fabrice Crouzet, qui a été vraiment le porteur de projet et qui est un peu l'adulte hein, du projet. Parce que moi quand même j'ai fait des études d'histoire à la Sorbonne et après j'ai fait du parachutisme de façon professionnelle. Donc le monde de l'entreprise m'était absolument inconnu. Donc j'apprends beaucoup sur le tas, mais on va dire que moi je contribue principalement à Zero Gravity aujourd'hui pour le côté sportif, que ce soit pour le marché sportif, les parachutistes qui viennent s'entraîner, les relations avec les fédérations, l'organisation d'événements, de compétitions, ces choses-là. Donc je trouverais ça un peu prétentieux de ma part de me qualifier d'entrepreneuse parce que en fait moi mon rôle il est, disons que j'ai su bien m'entourer. Je suis flattée que les personnes qui était à l'origine de ce projet, m'est approché, que j'ai pu en faire partie. Mais donc, du coup, bah, moi, je me suis installée à côté de Poitiers, alors que ça faisait 12 ans que j'étais dans une vie complètement nomade, un peu de tunnel en drop zone aux quatre coins de la planète. Donc là, ça m'a permis un petit peu de sédentarisation, même beaucoup de sédentarisation cette année, que c'est quand même retrouvé Ouais, non, souvent mais pas le choix, hein. Ah ouais, confiné à domicile. Mais bon, je peux vraiment pas me plaindre, hein, j'ai trouvé un endroit magnifique où vivre à côté de Poitiers. Mais donc du coup c'est vraiment génial de voir cette entreprise naître, d'avoir suivi le projet, tu vois des balbutiements, des décisions architecturales, de technologie, jusqu'à la construction, jusqu'à l'ouverture et aujourd'hui faire partie un peu de l'opérationnel et être sur place et pouvoir ce projet grandir. Moi j'essaie de l'aborder avec un esprit ouvert, de l'humilité, en étant assez objectif sur ce que je sais, ce que je sais pas, ce en quoi je peux contribuer et les domaines dans lesquels j'ai encore beaucoup à apprendre sont très nombreux. Mais c'est une petite transition hyper enthousiasmante. Alors après c'est pas une transition hyper brutale non plus, hein. Je continue à coacher, je continue à voler, je continue à voyager un peu quand on a le droit. Mais disons que ouais, cet aspect entreprise avec toutes les difficultés qu'il y a, la complexité du truc, que ce soit des aspects économiques, financiers, administratifs ou humains, ça c'est très compliqué en fait. Tout le monde me l'avait dit, mais là du coup j'ai vraiment le nez dedans. Donc c'est vraiment hyper intéressant, mais j'ai vraiment l'impression d'en être au tout début quoi. Même si là je vais être amené à prendre un peu plus de responsabilités. Et peut-être un rôle un peu plus engagé dans la boîte. J'en suis vraiment encore qu'au début et j'ai beaucoup à apprendre. Ouais, surtout que donc du coup t'es aussi donc c'est quoi la future liste FFP? Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? C'est quel est le Tout projet à fait. Et bah alors, le projet, donc il y a normalement en décembre, même si à mon avis ça va pas se faire à ce moment-là, parce que les réunions, les AG sportifs sont pas tellement, vont probablement pas être possibles à la mi-décembre comme c'était prévu. Mais donc tous les 4 ans, la Fédération française de parachutisme renouvelle son bureau. Donc en gros, t'as un bureau directeur de 4 personnes, un président, un vice-président, un trésorier, un secrétaire. C'est une association, hein, loi de 1901. Et puis, t'as tout un tas de gens qui font partie du bureau. Au sens plus large, donc c'est 15 personnes. Donc une élection, c'est une liste de 15 personnes avec 4 personnes désignées au titre de président, vice-président, etc. Et puis les autres qui vont être amenés à contribuer un peu en fonction de leur domaine de compétences, normalement au sein de commissions qui n'ont pas été ultra actives forcément ces dernières années, mais dont en tout cas la liste que je représente aimerait bien réactiver un petit peu. Pour que ben voilà quelqu'un qui a un médecin soit en charge de la commission médicale, un pilote en charge de la commission aéronautique, enfin voilà des gens qui ont une expérience particulière puissent contribuer là-dedans. Donc du coup il y a 2 listes qui se présentent pour les prochaines élections. Le président actuel ne se représente pas, Monsieur David Roth. Ok. Et donc il y a Marie-Claude Feydeau qui était son adjointe qui a monté une liste et Yves-Marie Guillot, donc l'outsider. Qui D'accord. monte une liste lui aussi, voilà, que les parachutistes connaissent bien, ceux qui les lecteurs de Paramag connaissent bien pour ses chroniques, les chroniques de l'iconoclaste.
Et donc, du coup, bah, moi, il m'a approché à la fin de l'été, ou je sais même plus, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Et j'étais assez surprise parce que je ne le connaissais pas personnellement. Je connaissais ses écrits, que je trouvais toujours très bien, très, très bien écrits. Et voilà, c'était pour lui, il était vraiment dans une démarche d'éclectisme et d'essayer d'avoir des influences un peu diverses et à la fois intragénérationnelles, à la fois des pro et associatives, à la fois indoor et outdoor. Enfin, j'ai été assez séduite par son projet de. En fait, il n'a pas du tout l'intention d'être un espèce de président. Dictateur qui décide de tout, mais au contraire, il essaie de faire participer un peu tout le monde. Et moi, c'est comme ça qu'il m'a vendu le truc. Et depuis le début de cette campagne, même ce qui se passe nous en interne dans la liste, il a vraiment été vrai dans cette annonce-là qu'il nous avait faite. Donc ça augure plutôt du bon. Après, on verra comment se passent les élections. Si ça passe, voilà, ça va rajouter une petite case dans mon emploi du temps. Ouais, voilà. Mais c'est vraiment intéressant parce que c'est une opportunité de faire évoluer le sport qui a changé ma vie, en fait. Et je pense qu'un peu de sang neuf, des fois, ça fait pas de mal. Et même si c'est forcément pas une panacée et qu'il est fort probable qu'on ne sera pas absolument parfait si on gagne, je pense qu'on a beaucoup de choses à apporter. Et moi, en tout cas, j'aimerais bien contribuer sur bah, notamment les sujets de l'indoor, un peu le haut niveau. Et puis, parce que bah, du coup, moi, même si j'ai pris ma retraite entre guillemets il y a quelques années, bah, je suis quand même toujours très implantée dans le milieu para et les gens qui font de la compète actuellement. Donc moi la façon dont je vois mon rôle, c'est surtout comme une facilitatrice en fait, ma capacité à mettre autour d'une même table des gens qui je sais vont avoir des choses pertinentes à raconter et qui vont avoir envie de contribuer et essayer d'ouvrir un peu le dialogue et d'utiliser un peu ce qu'on a fait nous dans le dynamique quand cette discipline-là s'est créée. Et puis ensuite, pendant tout son développement, à être vraiment dans une démarche d'intelligence collective et à faire participer les gens, en fait. Voilà. Parce que déjà, ça coupe l'herbe sous le pied à beaucoup de critiques, en fait. Quand tous les bonnes volontés sont appelées à contribuer, bah, du coup, les gens qui sont pas d'accord, ils peuvent faire entendre leur voix et puis essayer de s'entendre. Et puis, c'est souvent comme ça, en fait, en faisant rebondir les idées les uns sur les autres, qu'on trouve des solutions créatrices et créatives. Et ben ça, je pense que ça ferait vraiment beaucoup de bien à la Fédé, au para français en général. Ouais, J'espère qu'on en pourra faire ça. communiquant, en recueillant un peu les infos par-ci par-là pour avoir différents sons de cloche, pour Ouais, pouvoir. en faisant de la démocratie participative, quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment un chouette concept. Alors, c'est pas toujours facile à mettre en place en fonction de la taille du groupe de gens que tu essaies d'organiser. Mais enfin, là, le parachutisme, on n'est quand même pas 3 milliards. Je pense qu'on devrait y arriver. Ouais, après, je pense qu'on a aussi des bons outils maintenant pour se faciliter la tâche sur du Tout à fait. nomade, voilà, toi, tu travailles aussi, enfin, beaucoup de partout, en fait, tu as une connexion Internet et tu peux gérer tes trucs. Ça fait combien de temps Ouais. que t'es comme ça depuis que t'es digital En mode nomade? nomade? Ouais. Ça va faire une douzaine d'années, à peu près. Mais bah, du coup, là, cette année, un petit peu moins. Là, c'est la première fois de ma vie que j'habite quelque part où je peux travailler. Ça m'est jamais arrivé. Et puis là, en plus, avec le coronavirus, forcément, les déplacements à l'international ont été un petit peu plus réduits. Mais ouais, je sors d'une solide douzaine d'années sur la route non-stop en mode, je sais pas, sur 12 ans, j'ai dû passer 3 fois 3 semaines au même endroit d'affilée, quoi. Et sinon, Bah, tout le reste, c'est une semaine, cinq tout le jours. reste c'était là-haut dans les airs. Ouais, dans les airs, droite à gauche. Ouais. Parce que du coup, c'est ça, c'est ce que je disais aussi pour les PNL, pour tout ce qui est soft skills. En fait, tu peux aller au gym et faire des haltères toute la journée, bah ça se voit. Et quand tu sautes d'un avion, bah en fait, c'est pas écrit sur ton front que en fait tu sais te déplacer dans les airs et tu as acquis une sorte de sixième, septième, huitième sens en fonction d'eux et que bah. Tête en bas, tu arrives à te déplacer et aller où tu veux. En fait, c'est pour des gens, c'est assez difficile à concevoir, effectivement. Et après, c'est vrai que du coup, j'en viens tout simplement à est-ce que tu as des vidéos de toi qui sont tes préférées? Comme ça, je les posterai après. Est-ce qu'il y en a deux, trois ou qui sont genre parmi tes vidéos où tu te souviens de ce vol magnifique qui est sur YouTube ou je sais pas, tu vois. Ah ouais, il y a quelques vidéos qui traînent. Je te les enverrai peut-être par Ok, écrit ouais, si tu veux, tu me les envoies après, ou s'il y en avait ouais. une en Après, c'est particulier. pas. Ben,
Il y en a quelques-unes. Alors, après, ce n'est pas vraiment des vidéos genre de moi, quoi. C'est des vidéos dans lesquelles j'apparais, mais il y a plein d'autres gens qui apparaissent aussi. Ouais, Mais ouais, ouais. là, les premières qui me viennent à l'esprit, ça va être des vidéos d'Alex Aymar, Satori Factory. Notamment une qu'il a faite il y a 2 ans à Englewick qui s'appelle Planet Skydive. Alors, elle est un petit peu longue. Hein. Elle doit faire au moins 14 minutes. À l'âge Ok. d'Internet, c'est une aberration. Ouais. Mais il y a des très, très belles images au sol et en vol. Et puis surtout, c'est sur le thème de l'écologie, en fait, qui est un thème un peu tabou, un peu hypocrite, un peu bizarre à aborder dans le parachutisme, parce qu'on brûle quand même du pétrole pour le simple plaisir extatique de voler. Donc il y a un peu cette espèce de dichotomie dans les termes, cette presque schizophrénie d'avoir une conscience écologique tout en n'ayant pas envie d'arrêter ce sport-là. Donc c'est une vidéo sur ce thème-là. Il y a des très très belles images de vol, mais il y a des réflexions aussi assez intéressantes. Ouais. Après, sinon, des images de Funny Farm, je sais pas si t'as déjà vu ça, Non. ce boogie en Australie complètement légendaire. Non. Il y en a quelques-unes de très très chouettes aussi. Ok. Ah non, mais voilà, c'est justement pour ça, c'est pour découvrir moi aussi des nouvelles images. Là, les dernières images que j'ai adorées, c'est au Brésil. Tu sais, ils ont fait un boogie, je sais pas, c'était nous pendant le confinement où ils étaient au-dessus de la mer, là, avec plein de petites vaguelettes. Ouais. Je sais, Ouais. mais je sais, bon, ça m'a fait rêver, donc voilà, c'est Ouais, c'est juste. magnifique. Je devais y aller pour le nouvel an, bon, bah, ce ne sera pas pour cette année. Mince. Mince, ouais, c'est incroyable de voir qu'il y a toujours des endroits aussi. Et je trouve que c'est un peu la mode, on va dire, de trouver des nouveaux endroits où on peut aller sauter aussi, de trouver des nouvelles façons de faire du parachute. Je sais pas si tu as fait le saut Eclipse, par exemple, je sais plus, il y a 2 ans aux États-Unis ou quelque chose comme Non, ça. j'ai pas fait le saut Ouais, Eclipse. voilà, enfin, il y a des trucs qui se passent où les gars avaient sauté. En fait, ils sautaient dans l'ombre de l'éclipse et du coup, Ouais. il faisait jour autour. Enfin, voilà, c'est assez intéressant. Bah, là, il y a pas mal de montgolfières aussi. C'est quoi le saut le plus créatif ou qui t'a le plus plu ou... Après, tu as fait des records avec tellement de gens aussi. C'est quoi ton plus gros record Le plus gros record, le record du monde actuel, il a 164. Le record validé, ça, c'était en 2015. Après, on était retourné en 2018, on a essayé de faire un 200, mais on l'a pas fermé. Donc, on a dû faire un saut au total. Enfin, il y avait 200 personnes en l'air, on a dû fermer un 190 quelque chose. Ouais. Mais le 200 n'a pas été validé. Donc, mon plus gros saut concret, c'était avec 200 personnes autour, même si on l'a pas complètement fermé. 200 personnes en l'air, tête en bas, qui sortent de 9 avions différents, c'est quelque chose quand même. C'est Ouais, un sacré visuel. c'est ouais, j'ai du mal à me rendre compte, mais en tout cas, c'est vrai que rien que de voir les vidéos, tu te dis bon, mais là, rien que t'entendre en parler, me dire ouais, 200 personnes, 9 Ouais. avions, mais puis surtout, c'est ce que tu disais aussi, c'est ce flow à trouver entre tous les gens pour que. Tout le monde sache qu'il a à faire, et ça je vous vois aussi dans vos vidéos souvent, tous les briefings terrain, comment vous vous entraînez, même si vous êtes tête en bas, vous êtes debout puis vous arrivez à vous dire ce que vous allez faire. Et puis je disais aussi dans l'émission hier que je trouve que quand on fait du parachute, on arrive à se communiquer parfois juste avec les yeux, juste, enfin c'est assez. C'est assez invisible aussi la façon dont parfois on arrive à se communiquer Ouais, en l'air, tu vois. Ou carrément. Et tu... puis sur les records, tu as ce truc absolument incroyable. Quand le record est fait, tu as l'impression qu'il y a une espèce de courant qui passe entre tout le monde. Alors c'est complètement dans nos têtes, j'imagine, hein, parce que je Ouais. pense pas qu'il y ait vraiment un courant qui passe. Ouais. Mais je pense que ça passe, tu vois, au moment où tu te rends compte que c'est fait, eh ben déjà Le temps la s'arrête. figure en elle-même, ouais, le temps s'arrête. La figure en elle-même, généralement, elle vole mieux, elle se stabilise un peu. Et puis là, c'est probablement justement tout ce qui se passe entre tous ces regards où tu captes que c'est bon, tout le monde capte que c'est bon, et là, tu as vraiment cette espèce de sensation de wow, Ouais. c'est vraiment très chouette. Ouais, bien sûr, hein, mais c'est fou, ouais. Je si t'as, ouais, les vidéos, ouais, si tu peux me les envoyer après, ouais, comme ça, je les Ouais, puis reposterai avec plaisir, et puis comme ça, je te je les ferai un petit regarderai. message avec les liens. Et du coup, je pense une des petites dernières questions, c'est quoi la suite? C'est quoi enfin, qu'est-ce que tu as envie de continuer à faire? Bon, tu nous as un peu dit, hein, tu vas t'engager du coup plus dans le sport. Et moi je suis trop content, hein, ça va être y a plein de choses à faire, hein, comme tu dis, donc Bah ouais. Bah écoute, là, les 3 gros prochains projets skydive, il y a le record de France de free fly qui était censé être en septembre cette année, qui a été décalé au mois de juillet prochain, Inch'Allah. On a le record du monde féminin, Project 19, un gros gros projet sur lequel on bosse depuis 3 ans déjà, 2 ans déjà, et qui a été décalé à l'automne prochain.
Ouais. Et puis, Et je t'arrête de 2 secondes là-dessus parce que je sais que tu as fait une app aussi. Est-ce que tu veux en parler un petit peu? Ouais, carrément. Alors, c'est pas moi toute seule, hein, c'est toute l'équipe de Project 19, mais c'est une app de visualisation. D'ailleurs, il va y avoir un webinar Trop bien. le 24 novembre, je crois, justement pour rebondir un peu sur les webinars qu'on avait faits pendant le premier confinement sur la visualisation. Et donc là, on va continuer là-dessus, mais spécifiquement en utilisant l'app. En gros, on a rassemblé des vidéos d'à peu près tous les posts que tu peux avoir dans ce genre de saut. Que tu sortes avant la base, après la base, de l'avion de gauche, de l'avion de droite, que tu t'accroches de telle ou telle façon. Et sur chaque petit poste et chaque petite section du saut, on a une vidéo qui est en point de vue, donc qu'est-ce que la personne va voir, et on a une vidéo en point de vue externe, donc la personne en train de le faire. Et donc du coup, c'est pour aider les gens à pouvoir visualiser avec un support, parce que en gros, hein, c'est parti d'un webinaire de Dan Bissi qui expliquait que visualiser, c'est comme essayer d'apprendre à dessiner, en fait. Tu commences pas en partant de rien. T'as ta feuille blanche, t'as un modèle, et puis tu vas regarder le modèle, tu regardes le modèle, tu dessines. Et donc là, bah, en fait, c'est la même chose, mais avec de l'image de skydive. Donc, pour aider les gens à visualiser correctement, en leur donnant le support de la bonne action, pour qu'ils sachent quoi visualiser. Donc, du coup, ça a pris pas mal de temps à faire, mais elle est vraiment super. Donc, pour tous ceux qui veulent apprendre à faire du big way en free fly, n'hésitez pas. Ouais, et C'est ça se trouve un comment? super C'est où que outil. tu la télécharges? Et ben sur l'App Store, c'est dispo sur Apple et sur Android. Et ça s'appelle Et il faut Big taper Way? Project, non, ça Ah, s'appelle Project Project 19. 19 Skydiving. Donc, Ok. tu tapes Project 19 Skydiving. Mais c'est trop intéressant de savoir qu'il y a des coachs champions qui ont fait une app où ils s'intéressent en particulier aux Ouais. gestes précis que tu dois avoir fait. Puisque Ouais. effectivement, pour faire un record, il faut que tout soit calibré, millimétré et Ah tout bah ça. ouais, bien Et sûr. c'est intéressant de voir que tu peux faire une app de visualisation, parce que si tu vois pas le truc, tu pourras jamais le visualiser en fait. Exactement, c'est pour aider les gens à visualiser ça correctement. Et Et après, puis tant que tu l'as pas vécu, tu pourras pas le faire bien non plus, mais tu auras quand même une meilleure approche de ce qui t'est oui, bien demandé. sûr. Après cette app-là, elle s'adresse à des gens qui s'entraînent pour ce genre de saut. Donc après, tu peux très bien t'en servir, même si tu l'as jamais fait et que tu avant même de commencer. Mais effectivement, ça va vraiment te servir que si tu commences à avoir l'occasion de faire ce genre de saut. Donc il faut quand même savoir voler tête en bas, quoi, Ouais, bien et sûr, bien approcher sûr. et te barrer dans sécurité d'une formation. Ouais, Et ouais. du coup, pour le après, donc ça c'est 2021, et ensuite en 2022, il y a normalement le prochain record du monde. Qui lui aussi a été un peu décalé du coup avec tout ce qui se passe en ce moment. Ce sera normalement à l'été 2022 à Chicago. Et on a en France quelqu'un qui s'appelle Maxence Cavalade qui est quelqu'un qui a jamais fait de record. Il a des records du monde en speedriding. C'est un très grand skieur, un très bon speedrider. C'est un bon parachutiste, mais il a aucune expérience en big way. Et il s'est donné le défi de participer au record du monde dans 2 ans. Du coup, il y a une réalisatrice qui le suit et qui va faire un documentaire sur toute cette épopée-là. Ça s'appelle Flying Spirit. Je vous invite à aller jeter un œil si vous voulez suivre cette aventure. C'est une vraiment très belle façon de parler de dépassement de soi, parce que là, pour le coup, il s'est fixé un objectif qui va pas être facile à atteindre, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans d'autres disciplines. Il y a donc beaucoup de focus, beaucoup de concentration, vraiment l'habitude de se dépasser, d'apprendre, de progresser. Et du coup, je pense que ça va vraiment être déjà un film génial quand il sera terminé, même si on n'y est pas, et une belle aventure à suivre. Donc Flying Spirit, ils ont une page Facebook, je vous incite à aller jeter un œil. Ça marche, puis vous allez le voir souvent à Zero Gravity, vu qu'il va bien s'entraîner, je Il y a des chances, parie. ouais, il est déjà venu, mon avis va revenir. Bon, ça marche. Et ben écoute, du coup, sur les. Bon, voilà, j'ai passé un super moment. J'espère que toi aussi. Est-ce que Bah ouais, merci beaucoup de m'avoir invité. niveau super pouvoir, on a tous plein de super pouvoirs et après il faut, comme tu disais, les rendre un peu conscients pour pouvoir les utiliser. Et puis moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que toutes les périodes d'apprentissage, elles peuvent être parfois difficiles, mais comme quand on a appris à marcher ou à écrire, ça va pas s'arrêter aujourd'hui. Donc voilà, on peut se Non. donner le droit à l'erreur et puis continuer d'avancer en tout cas et d'expérimenter en fait, parce que c'est ça qu'on disait, si on est un peu bloqué, on va avoir du mal à avancer,
Donc voilà. Bah écoute, merci beaucoup Domi, en tout cas Merci à pour toi. ta participation. Et puis je te souhaite une très bonne soirée. Et puis on se voit sur une des Z, sans doute quelque part. Avec grand plaisir. Ouais, quand ça reprend. Ouais. Bon bah Bonne merci. soirée, merci beaucoup. De rien. Ciao Ciao, ciao. ciao. Bye. Eh bien voilà, on vient de finir l'interview Eureka avec Domi. En tout cas, c'était bien cool. Merci à elle d'avoir pu participer, d'avoir été présente. Bon, j'espère que vous avez apprécié. Merci Caroline pour le message et j'ai pu régler le micro juste après. En tout cas, demain, on parlera encore parachutisme et j'ai trouvé ça très intéressant, en tout cas. Comment Domi parlait de la gestion du stress, comment ça peut être motivant, comment ça peut peser aussi quand c'est beaucoup de pression sur l'objectif qu'on s'est fixé. Et il y avait beaucoup de choses sur bah, la communication dans les airs, la communication avec soi, la communication avec son corps. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Donc merci encore à tous. Merci pour les derniers follow. J'ai vu que Tine, t'étais venu nous rejoindre. Donc. Salut à toi de Shanghai, je sais que tu es là-bas. Et puis voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée. Demain, on parlera encore de super pouvoirs, mais cette fois avec Marine Descols, qui fait de la wingsuit aussi, mais surtout qui est hypnothérapeute. Vous pouvez regarder sur les voyages de l'esprit sur Instagram. Mais en attendant, vous pouvez surtout follow Domi et puis la suivre avec attention. Et moi, je vous enverrai toutes les vidéos dont elle nous a parlé pour qu'on puisse s'en mettre plein les yeux. Voilà. Allez, ciao, ciao. Bonne soirée. À plus.